crème, il est blanc. Il est incroyable. Il est trop beau. Il est incroyable. Le col il est... Non mais ce look il est incroyable quand même, Lydia. Il est full jean bleu. Voilà, c'est look rapide, simple, efficace. Il y a... Look, les bonnes du maquette, c'est trop... Magnifique, ma chérie. Coucou les chéries, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est une inspi look by Shane. By Shane. Total, Monia et Lilia, elles ont fait leur sélection, elles ont concocté leur look avec leur style. Et si ça te plaît, tu auras tous les liens de leur tenue en barre d'informations. Et en plus de ça, on a un code promo pour vous qui vous donne moins 15% sur votre commande. Donc s'il y a des looks qui te plaisent, n'hésite pas à sélectionner le lien, allez faire ta commande. Donc, je vous mets le code promo à la fin de cette vidéo et tous les liens en barre d'informations. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et commentez, activez la petite cloche pour recevoir les notifications chaque fois qu'on poste une vidéo. Voilà, et surtout, si tu ne nous suis pas encore sur tous nos autres réseaux sociaux, ils vont s'afficher juste ici. N'hésite pas à nous rejoindre sur TikTok, Snapchat et Instagram. Un seul et même pseudo, Molly M Off, comme ça, ça complique pas le truc. Voilà, maintenant, place au look by Monia et Lydia. Donc voilà mon premier look. Alors moi j'ai mis un petit t-shirt comme ça, avec un petit short en jean gris comme ça, et j'aimais bien, parce qu'en fait ça fait un peu le style, vous voyez, léger quand on va à la plage. Moi ça fait un peu les filles de Miami là, à Miami, ouais, les palmiers. Ouais voilà. Ouais, les trucs, les américaines, ouais voilà, c'est ça. Et du coup vu que j'aimais bien ce style, ben, j'ai pris les trucs pour faire le style. Et c'est les deux. Après ça s'achète séparé, c'est pas un ensemble, c'est ouais. Elle qui s'est fait son petit look. Look du jour. Look du jour by Lilia. Allez maintenant on passe à look de Monia. Alors moi c'est pas un look, c'est j'ai pris une petite robe longue, enfin une petite longue robe du coup. Noir simple avec un col carré parce que j'aime trop les robes comme ça en été, vous savez, vous êtes pressé, hop, vous savez pas comment vous habiller, mais vous vous habillez. Oula, vous habillez bien. Mais vous voulez vous habiller bien, une petite robe et c'est réglé, vous voyez. La matière, pouvoir, elle est trop bien, on va vous la montrer. Approche-toi un peu. Vous voyez, ça fait un peu liseré comme ça. Ouais, c'est épais un peu dans la matière, quand tu vois, elle est épaisse, on dirait du velours. Non, épais pas trop, mais c'est agréable. En fait, ça fait du coton, mais c'est fin. Parce que c'est pas épais du tout, ça t'aurais pas chaud avec. Hein. Non, mais je sais pas comment dire, c'est doux comme ça. Ouais, c'est doux, c'est du coton, un peu comme du coton velours, mais super agréable. Et montre-nous le dos. Voilà, dans le dos, c'est bien carré aussi. J'adore. Elle est super jolie. Franchement, des petites claquettes. Et ouais, c'est très bien. Puis, allez, look numéro 2 by Lilia. Donc là, on est sur un look vintage. Numéro 2. Du coup là j'ai mis un petit haut comme ça vintage avec un jean qui est censé aller mom, mais du coup ben il est large, mais il est très beau, franchement il te va droit. J'aime trop parce que j'aime trop les trucs larges, mais très américaine. Lilia, voilà, elle aime trop les looks américains. Américaine. Et du coup ben là j'aime trop ce jean, qui j'avais jamais eu des jeans gris en plus. Montre-nous derrière comment il est. Voilà, des petites poches simples. Il a un peu cet effet délavé. Approche-toi un peu. On le remonte d'un peu plus près. Voilà, vous voyez, là, il est un petit peu usé. Et les photos, quand tu sais que tu mets les jambes, quand elles mettent les jambes comme ça, là, tu sais, les américaines. Voilà, le petit haut. Vous voyez, ben, d'ailleurs, très américain, avec le drapeau comme ça. Elle aime trop les hauts comme ça. Voilà. J'aime trop les hauts américains et les looks américains. Voilà, donc dites-nous ce que vous pensez de ce look numéro 2. À moyen. Donc là, on est sur un look total sport. Voilà, j'ai pris un petit ensemble vert. La matière, j'aime trop, vraiment. Et pour faire le sport, c'est trop pratique. Les petits ensembles comme ça, c'est vraiment, j'aime trop. Donc voilà, bien taille haute en plus, le legging. Donc voilà, l'élastique, elle est bien grosse. J'aime trop les leggings, les gros élastiques. La matière, elle est un peu lycra, approche-toi. Ouais. Comme ça, on leur montre un peu plus près. Regardez, la matière, elle est un petit peu lycra. Elle est trop bien, vraiment, on est trop bien dedans. Vraiment. Cet ensemble, il est pour là. Incroyable. Yes, j'adore. Des petits tennis, une petite veste de jogging. Franchement, ça c'est vraiment l'ensemble de sport à avoir dans son dressing. Voilà. Allez, on repasse à Lilia. Let's go. Donc là, on est sur un tout autre style. Look numéro 3. Alors, faut savoir que Lilia aime tous les styles.
Voilà, moi en fait j'ai mon style préféré c'est l'américain, mais après tu vois j'ai un petit style en mode oriental comme ça, donc... Là c'est un peu le mode vacances. Ouais, un peu le mode de vacances. Lia nous a dit... Truc de la Tunisie. Voilà, Lia voilà. Elle m'a dit ça me fait penser à la Tunisie. Les dessins et tout, et du coup moi j'aimais trop dès que je suis passée devant ça, pour se balader ou quoi, tu sais quand il fait chaud là, c'est très fin. Ah oui, c'est très très fin. C'est de la soie. Un peu, non, ça fait un peu coton soie, mais c'est trop joli. Et c'est bien bronzé cet été. C'est quand tu parles là, c'est large. Tourne un peu. Regardez, vous voyez dans le dos comment il est. Le pantalon, il est droit. Surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est serrable. Là, il y a les petits trucs pour serrer. Ouais, il est réglable. Tu peux régler les. Tu peux le serrer. Les bretelles. Trop joli. Voilà. Allez, on passe à un autre look de Monia. Donc là, j'ai fait un look maintenant. J'ai pris un petit jean mom à trous, très très troué, avec un petit top t-shirt orange. J'aime trop la couleur vraiment. Ah oui, il est incroyable, et même la matière. Hein. Oui, la matière elle est trop bien. Elle est toute légère, on dirait même pas il y a un t-shirt, c'est trop bizarre. Regardez la matière, elle est incroyable. On le sent même pas sur la peau, vraiment t'es trop bien dedans. Et voilà, j'aime trop quand je serai bien bronzée là. Il va bien ressortir. Voilà, bien bronzée cet été, ça va faire trop beau ce style. Moi j'adore. Yes. Hein. Moi aussi. Dites-nous ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Hein. Look numéro 4, et celui-là il est encore trop 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 American vibe. Du coup j'aime trop, donc c'est un petit haut comme ça. Ça fait, comment on dit ça, basketteuse, non? Ouais, c'est ça, ouais. Un peu basketteuse, et j'aime trop le petit haut comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, ou je sais pas si vous le verrez en caméra, mais c'est pas le même vert, je pense que c'est fait spray. Mm. Mais j'aime trop les coutures, la blanche au côté, tout. Ça pareil, ça fait un petit ensemble pour l'été. Et j'aime trop, j'aime trop les ensembles. Et t'as vu, et en plus, tu peux aussi mettre le petit haut avec un jean, ça doit faire trop joli. Le petit short. Avec autre chose aussi, ah oui. Ouais, voilà. Mais bon, ce petit haut avec un jean, je le vois bien. Ouais, petit cargo bleu, taille basse. Ouais, trop trop beau. Voilà. Allez, Ammonia. Ammonia. Va te changer. Donc là, on est sur un petit look très très basique, avec un petit t-shirt blanc tout basique, mais la matière, elle est trop trop bien. Vraiment, wow. Ce truc que j'aime trop. Très basique, mais à avoir absolument dans son dressing un jean et un petit haut blanc. Voilà, là, le basique quoi. Une petite paire de Air Force One et simple, rapide et efficace. Ça, c'est ma phrase. Voilà. Simple, rapide et efficace. La matière, elle est trop. La matière, elle est lycra. Ouais. Il est très élastique, vous voyez. Ouais. C'est bon. Et très doux et très blanc. Franchement, ouais, il est blanc, il est pas blanc cassé, il est pas blanc crème, il est blanc. Il est incroyable. Il est trop beau. Il est incroyable. Le col, il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Allez, next. Là, on est sur mon cinquième look. Et du coup, pour le cinquième, c'est un petit haut bleu comme ça, avec le chouchou qui va avec. Pour toujours le détail, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Shane aussi, les crunchies. Oui, non, mais ça va avec aussi. Oui. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, vous savez que très bien que j'accorde mes chouchous à ma tenue. Donc, toujours. Ça, c'est parfait. Donc là, elle a mis avec un petit cargo chain. Voilà. Et. 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 Pour. Finir. Ce look. Bah pour ce look, pardon, bah pour finir. Ouais, pour terminer ce look, ouais, pour le compléter, quoi. Pour le compléter. S'il fait un peu frais, regardez la pépite qu'on a trouvée. Petite veste en jean en été, le soir, quand il fait frais et que tu vas balader, toujours prendre sa veste en jean. Parce que le soir, il fait frais. Et elle est courte. Elle est incroyable. Oh my god, j'en avais pas dit comme ça. Elle en voulait trop une courte. Regardez-moi le look incroyable. Non mais ce look, il est incroyable quand même, Lydia. Il est full jean bleu. Full jean bleu. Il est bleu, j'aime. Même les yeux. Franchement, il est incroyable. Même les yeux. Ouais. Ah, chouchou, il est parti. Donc dites-nous ce que vous pensez de ce look. Maintenant, on passe au prochain look de Monia. Donc là j'ai changé de haut, j'ai pris un haut bohème cette fois. On aura fait tous les styles, on a fait basique, on a fait coloré, on a fait bohème. On a fait sport. On a fait sport. Donc moi j'adore vraiment le style bohème, c'est vraiment un truc que j'aime trop en été. Et du coup là j'ai pris un petit haut beige, je sais pas comment on dit. Il est en laine. En laine, ouais. Oui, ça fait un peu laine. Enfin, c'est un peu du coton côtelé, du cote-cote. Du cote-cote. Approche. Regardez, la matière il est incroyable. Oh il est trop bien. Il est incroyable. Il est incroyable. Incredible. Ouais. Tourne-toi, montre-nous comment il est derrière. Voilà. Bon, certes, il est très court, mais pour l'été, écoutez. Voilà, il est court, mais il est trop beau, le temps. Voilà, elle a accordé avec son petit jean mom. Comme ça, elle vous montre qu'avec un jean comme ça,
vous pouvez mettre plusieurs styles de haut. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs styles avec un seul jean. Voilà. Donc vous pouvez prendre. Moi, c'est pour ça que je fais tout le temps ça. J'achète plein de hauts en fait. Et vu que j'ai pas trop de bas, eh ben, j'ai l'impression que j'ai plein de tenues. Elle a pas trop de bas. Je vous montre vite fait. Elle a pas trop de bas. C'est pas des bas ça. Si, c'est oui, il y a des bas. Ça, c'est des bas en fait. Ah oui, attendez, il y a encore des bas là. Là, c'est tous les jogging. Mais t'as pas trop de bas, hein, non. La Mais pauvre. Ouais, je peux avoir avec un bas, pour un bas, je suis sûre que j'ai au moins deux hauts moi à chaque fois. Voilà. J'ai tout ça de haut et tout ça là. Voilà, et tout ça. Donc j'ai ça de haut et tout voilà. Ça de bas. Donc je pense que j'ai à peu près deux hauts pour un seul bas. Donc ça fait que. Trois hauts pour un seul bas. Voir trois hauts pour un seul bas parce que j'ai vraiment beaucoup de hauts. Et du coup, je pense que ça varie les tenues, c'est bien. Acheter des hauts, moi je vous dis. Voilà. Allez, tenue suivante. Look numéro 6, et c'est mon dernier look, du coup c'est que ce petit haut là. Cette fois-ci on n'est pas à Miami, on est à Hawaï. À Hawaï, bah oui. Écrit. À Hawaï, et pareil, j'y mets trop parce qu'il est un peu américain, un peu good time, good vibe. Have a good time, relax, Hawaï. Skaters, là voilà, pareil. Yes. Avec un t-shirt en jean, ça aussi c'est très bien pour l'été. Moi j'aime beaucoup trop les hauts, comme Monia l'a dit, les hauts ça va avec tout, avec un jean, pareil. Enfin, un voilà. Short. Ouais, voilà, mais les hauts comme ça, genre c'est trop beau, tu sais, les petits hauts. Ouais, c'est vrai qu'elles sont très très petits hauts. Partout, à chaque fois, elles veulent des petits hauts. En plus, c'est trop beau, j'aime trop les hauts qu'ils font Shein. Voilà, à savoir en plus que sur Shein, ils sont vraiment pas chers, très bonne qualité. Et à la mode. Approche-toi. Je vous montre la matière. Voilà, il est très doux. Très bonne matière. Donc là on repasse avec du rose pétant, vraiment ce haut j'aime trop. Ah ouais, il est beau, hein. Le rose il est magnifique. Ouais, le rose il est trop bien, la matière très lycra, très ouais. Et c'est comme s'il était doublé un peu, c'est comme ouais. Si tu vois il y en avait deux quand tu fais comme ça. Du coup voilà, j'adore, il est aussi court un peu mais j'aime. Encore avec un petit jean, voilà, mais toujours. Il est trop beau. Tourne. Voilà. Franchement la couleur ça fait vraiment tout parce que là en été bien bronzé. Attendez que je sois bronzé. Et on en reparle. Vous verrez, ça fera mille fois plus. Voilà. Allez, on continue. Du coup, septième look. Donc là, c'est un look comme ça avec un petit jean. Mais c'est un padef aussi de chez Shein. Avec un haut comme ça que Monia avait, qu'elle avait présenté dans la dernière où on fait les looks. Et du coup, bah, je l'ai pris comme on va être accordé à sa sœur. Voilà, on va faire des looks corda cet été. Yes. Ça paraît bien bronzé, le blanc il ressortira bien. Approche-toi un peu qu'on montre un peu bien les dessins. Hop. La fille elle a un chapeau. Voilà. Non, je pense que c'est pas un chapeau, c'est une soucoupe volante. Ouais, je pense que c'est. Voilà, la fille elle a un chapeau. J'ai cru que c'était une fille au bord de la plage avec un chapeau. Et là, t'as la mer. C'est une soucoupe volante, mon amour. Ouais, mon ami aussi. Allez, à Monia. Voilà, maintenant on passe à du chic. Monia bien habillée. Donc là j'ai pris un petit bustier, j'aime trop les bustiers comme ça, beige avec des armatures, c'est non? C'est ça. Voilà, avec des armatures, là il y a vraiment du fer dans celle-là. Approche-toi un peu. Dans celle-là il y a vraiment, dans celle-là non. Ouais, il est très balconné, vous voyez, les petites coutures. Il est vraiment très très beau. Il fait très bien habillé pour tu sais, une petite soirée ou quoi, avec une petite veste en jean ou quoi, ça peut faire trop beau. Voilà. Même, t'as vu avec mon padef noir là, serré. Ouais. Oh là là, avec un pantalon noir habillé. Incroyable. Look numéro 8, et du coup là c'est. Alors, ça par contre, vraiment, je suis tombée amoureuse de ce haut. Je l'aime trop, regardez. Donc, pareil, bon, c'est le même jean que tout à l'heure, mais regardez. Il est trop brillant. Et il y a écrit Honey. J'aime trop les brillants, la couleur. Et dès que je l'ai vu sur chaîne, je me dis maman, il me faut ça. Je l'aime trop, il est trop beau. Moi, je suis trop girly. Et ça, c'est pareil, c'est américain. Américain, j'ai vu des photos sur Pinterest. Oui, en plus c'est pas écrit en français, donc. Et le petit détail dans le dos, voilà le petit détail qui plaît à Lilia. Voilà, ça c'est vraiment le genre de haut que Lilia adore. Voilà. Mon kiff. Son kiff. Allez, on continue avec Monia. Donc là, on se retrouve avec un autre haut habillé, toujours un petit jean bleu et un body. C'est un body. Pas un autre haut. C'est un body. Haut, tu vois le haut. Oui. C'est un bas. Oui, mais c'est un body. Voilà. Donc, un petit body blanc. En fait, il fait comme plissé. Genre, il fait vraiment froissé. Il y a les côtés là. Approche-toi un peu. Il y a les côtés, ils sont froissés. Voilà, vous avez les petits côtés froncés comme ça. Voilà, et du coup, bah, là, il fait comme si genre, il n'y avait pas de couture un peu. C'est trop bien. On dirait que c'est un drap. Un drap. Après, voilà, il fait un peu habillé. Il a les bretelles fines. Voilà. Allez, on continue. Let's.
Neuvième look, et là je vous passe, bah, toujours le jean parce que j'ai pris beaucoup de haut. Comme et, on y a. Du coup, là c'est un haut comme ça avec écrit et. Eternity. Eternity. 1987, presque mon année de naissance, puisque je suis née en 1988. Et du coup, ça fait un peu, comment j'ai vieux, genre ancien. Ouais, vintage. Et ancien, voilà, vintage, voilà, merci. Vintage, et du coup, bah, j'aimais trop, et je trouvais en fait de base, parce que je cherchais le même haut que Monia, je vous ai montré tout à l'heure. Je suis tombée sur celui-là, j'ai dit, ça ressemble, mais du coup, bah, j'aime trop. Donc voilà. Voilà. Donc elle et aime ça, trop. Surtout avec un cargo kaki beige. Voilà. Beige. Kaki. Ah, kaki. Cargo, kaki, beige. Kaki, beige, beige. Cargo, j'ai dit cargo, kaki, beige. Oh là. Voilà. Cargo, kaki. Cargo, kaki. Bah, voilà. Ah, cargo, kaki, taille basse. D'accord. Voilà. Je m'imagine trop là. Espi, by Lilia. Voilà. Allez, on continue. C'était mon petit truc. Espi du look. Du jour. Voilà. Du look. Voilà. Donc là, ce haut, j'ai trop aimé pour le dos en fait. Je l'ai acheté parce que j'aimais trop la couleur et que la forme a été jolie et tout. Mais regardez le dos comme il est trop beau. Ouais. Après, là, même la matière, là. La matière, elle oui, est la matière, incroyable. Elle est trop bien. Approche voilà. Un peu. J'ai mis avec un petit jean noir, gris. Taille haute. Des deux, très taille haute, voilà. Et j'adore, il est trop trop beau. Alors ce jean, c'est un chain aussi, mais c'est une ancienne collection. Et ouais. Celui-ci, je pourrais pas vous mettre le lien parce qu'il n'est plus disponible. Il n'existe plus. Voilà, désolé. Chlasse. Sorry. Mais le haut, vous pouvez. Voilà. Il va y avoir le lien. Voilà. Allez, Ammonia. Alilia, pardon. Du coup, dixième look. Et là, c'est un haut comme ça et dedans. Mais on est trop trop bien. Du coup, il y a écrit Honey Cookie avec des petits. On est encore sur du Honey. Encore sur du Honey. Honey, ça veut dire miel. Donc là celui-ci il est un peu beige et marron. On vous montre d'un peu matière. Plus près la matière qui est super agréable, très extensible. Là sur le côté c'est froncé. Voilà, elle l'a encore mis avec son petit jean. Et dedans, on est trop bien, moi j'aime trop. Voilà. Allez, Ammonia. Donc là j'ai fait un look full blue, petit jean bleu. Avec un body bleu aussi, bleu pastel. La matière j'aime trop aussi, ça fait satin un peu, non? Ouais, ça fait lycra. Ouais, c'est lycra, vraiment, c'est très 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 agréable. Lycra. D'ailleurs, elle a le même en jaune, si je ne me trompe pas, tu l'as en jaune aussi, ouais, non? Ouais, en jaune, t'as Shane aussi. Ouais. Avec mes petits Jordan bleus. Incroyable, c'est ouais, là, ça va faire un big look à la fois sport, mais pas trop, mais ouais, très un peu street. Sportwear. Streetwear, quoi, c'est la street. Ça skit. Voilà, Monia adore les bodys. Ouais, j'aime surtout trop. Pour l'école parce que vu qu'ils n'ont pas le droit de montrer le ventre, ventre ou quoi, là au moins elle est sûre que ça sort pas et voilà, ils peuvent pas me dire on voit un petit peu ton ventre, on voit ton nombril, voilà, on voit rien du tout là, on voit rien, voilà. Allez Lydia, donc on est encore sur un petit haut comme le Honey, mais cette fois c'est un petit cœur comme ça et la matière c'est la même que le Honey. Non. Si. Non, c'est pas la même. La Honey elle est plus cotonnée. Ouais, c'est vrai, celle-là elle est plus lycra. Plus ouais. Voilà, donc c'est pas la même matière quoi, c'est moins doux. C'est et vrai. Voilà, il y a quand même des trucs quand même sur le côté. Petit truc élastique, ouais, regardez sur le côté. Puis ça pareil pour le collège, ce serait bien parce que tu vois ça ouais. Ça monte pas trop ça. Oui, parce que mon bébé va au collège l'année prochaine. Oui. Oh, que ça va faire bizarre. Moi j'ai hâte. Moi pas du tout. Je te vois pas devant cette entrée de collège mon bébé d'amour. Elle va pleurer, je suis sûre. D'ailleurs, quand on filmera à la rentrée, j'aurai la preuve de comment elle aura, qu'est-ce qu'elle aura dit, qu'est-ce qu'elle aura fait pendant que je rentre. Voilà. Moi, ça va, c'est pas comme Monia, mais elle avait eu le confinement. C'est vrai. C'était plus compliqué. Allez, on passe à notre look. Monia. Donc là, on repart sur un petit body, t-shirt tout simple aussi. Basique. Avec des petits... Bouton pression. Petit bouton pression, voilà. Ça fait un peu de style. Ça fait un peu habillé, du coup, on va dire. Et... Ouais, ça fait un peu habillé, il est blanc toujours. Et j'adore les cols comme ça, tu sais. Ouais. Carré comme ça, j'aime trop. Ouais. La matière, pareil, incroyable. Ouais, approche-toi, on vous montre de plus près. Regardez. C'est vraiment un peu. Voilà, un peu la pourquoi tu me fais ça? Bam, bam, bam. Mais voilà. Et encore une fois, c'est un body. Donc pour le collège, ce sera parfait pour rien me dire. Voilà, ça c'est vraiment le genre de petit body à avoir. Ouais, vraiment. Parce que. C'est simple et. Ça va avec efficace. Tout. Voilà, c'est look rapide, simple et efficace. Et je rajouterai basique. Basique. Simple. Basique. Simple. Basique. Donc là, on est sur un lot de 3 hauts. Donc on vous montre le premier. Celui-là, donc le bleu comme ça. Bleu ciel. Pareil, j'aime trop. Et puis moi, je peux pas mettre des.
des bandeaux. Ouais. Voilà, là, ici, du coup, là, c'est bien, les mini des bustiers et tout. Du coup, ça, j'aime trop. D'ailleurs, aussi. Voilà. Et ça, par contre, ça va me déranger parce que je ne peux pas le mettre au collège. Ah non, ça, non. Ça, c'est juste pour cet été, pour les vacances. Pas trop, trop droit non plus. Mais maintenant, on va vous montrer les deux autres couleurs. La prochaine. Donc là, on a la couleur violette. Que j'aime trop aussi. Il est trop violet. Ouais. Il est trop beau. J'ai un peu le truc d'ado, tu sais. Ouais. Vraiment trop joli. J'aime trop. Et maintenant, troisième couleur. Celui-là, en tout cas, c'est mon préféré des trois. Le violet. Moi, c'est le bleu. Non, moi, c'est le violet aussi. Je trouve le bleu, il est beau, mais le violet, je trouve qu'il ressort. Genre, le bleu, il n'est pas bleu. Il est bleu ciel, ouais. Voilà. Non, il n'est pas bleu ciel. Mais il est un peu bleu vert, un peu. Ouais. Bleu vert. Allez, troisième couleur. Et la dernière couleur. Donc, c'est blanc, comme ça, basique. Et pareil, j'aime trop, ce sera bien bronzé, là. Le blanc, il ressortira bien. Ça, c'est vraiment des petits hauts pour aller à la plage et tout, trop bien. Trop, trop bien. J'aime trop. Allez, Ammonia. C'est mon dernier look, moi. C'est ton dernier look? Oui. Look, pardon? Ouais, là j'ai terminé. Ton look lemon. Ammonia. Look lemon, mais dis-moi quel citron. Celui-là, je vous ai préparé un truc long. Oh, cet ensemble. Mais si vous savez pas, ça fait combien de temps que je le veux en fait? Et à chaque fois, il était indisponible dans sa taille. Voilà. Et là, elle a trouvé. Là, il est trop beau. Donc, c'est un peu, en fait, c'est un ensemble de dessus de maillot, moi je dirais, puisqu'il est un peu transparent. Donc, là. C'est un pantalon, c'est un effet laine un peu, on est d'accord? Non, ça fait maille un peu, ça fait ouais. Ouais, mais genre des dessins. Oh non, c'est pas de la laine, ça fait ça fait maille, c'est fin parce qu'en fait on voit en transparence, en dessous elle a mis un petit maillot noir, mais elle ce qu'elle veut c'est vraiment le mettre pour c'est un ensemble de plage pour elle. Ouais. Voilà. Parce qu'il est trop transparent. Et donc là le pantalon il est un peu serré. Tenue là, de plage, un peu bohème. Ouais. C'est bohème. Avec le haut qui s'accroche comme ça en nœud derrière. Voilà, approche-toi un peu que je montre la matière. Voilà, vous voyez, et en fait ça fait un peu maille, on voit vraiment que c'est les ensembles de plage. Parce que regardez, je mets ma main et vous voyez, il y a les petits trous en transparence là, mais il est incroyable. Trop beau, là. Franchement, cet ensemble, il est magnifique, ma chérie. Magnifique, ma chérie. Dites-nous si vous validez le look. J'aime trop comment il est taillé, genre là, il sert bien. Ouais, il est taille haute, il taille bien les hanches. Ouais. Il te va magnifiquement bien. Merci. J'adore. Donc, on est reparti sur un ensemble jupe cette fois. C'est une jupe longue avec une... Comment ça s'appelle? Une fente là, une sur fente le côté. Une fente là, sur le côté, voilà. Qui lui va incroyablement bien. J'adore. Mais bon, pareil, elle taille bien là, elle serre bien. Elle est bien taille haute. Vraiment, je suis très très contente d'avoir trouvé ce... Quand elle a reçu sa commande, elle m'a dit, mais j'ai pris des pépites là. Mais j'ai pris des pépites. Là, j'étais très fière de ce que j'ai trouvé là. Là vraiment je me disais mais magnifique c'est la couleur elle est incroyable c'est un petit peu Pocahontas vous voyez ça fait très c'est ce que je me suis elle dit est vraiment couleur en plus là j'ai les cheveux bouclés ça fait sauvage classique sauvage tout ce que tu veux voilà donc voilà avec le petit haut un peu court mais c'est pas trop court vu que la jupe est très très taille haute magnifique. Voilà. Cet ensemble te va divinement bien. Merci j'adore. Next alors là on change totalement d'univers. Voilà, totalement on de look. Sur un short, ensemble short débardeur totalement décontracté. Voilà, là on est sur un mood décontracte. Voilà, j'aime trop parce que les Shein ils font des poches dans leurs trucs. Voilà. J'aime trop, trop, trop. Et Monia, elle aime avoir des poches dans J'adore les shorts et dans les jogging. J'adore avoir mes mains comme ça dans mes poches et tout. Genre, c'est trop important dans les shorts et les jogging, je trouve. Dans les jeans et tout, non, mais dans les shorts et jogging, oui. Voilà, donc, très belle matière. Ouais, j'adore. Et la couleur aussi, j'aime trop la couleur. Vraiment, c'est. La couleur, elle m'a fait coup de cœur. Comme... Voilà, parce que Monia est fan du beige, vous le savez. Et en plus là j'aime trop les ensembles comme ça, déjà je trouve ça trop pratique. Et voilà j'adore. Donc dites-nous vous si vous êtes plus look jupe ou look short. Voilà, moi je suis plutôt short en vrai dans la vraie vie. Mais je mets des jupes des fois. Alors maintenant on part sur un look plage. Donc c'est une petite robe blanche simple. Un peu... à volant. Ouais, frou-frou, très fluide. Volant, très 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 fluide. Avec un petit bustier français, voilà. Et l'arrière, j'aime trop avec un petit nœud. Alors, le nœud, faut aussi le faire devant si vous préférez. Monia, elle préfère le faire derrière. Voilà. Vous voyez, ça fait très très bohème. Ça fait très. Voilà, si elle tourne, c'est la robe qui tourne. Vous voyez, pour la plage. J'adore, ça fait très. Un petit panier, très bohème. Ça fait très île en fait. Voilà, c'est ça, très fille des îles. Monia, elle est très, très plusieurs looks différents. Ouais, moi j'aime trop. Elle met tout. Je suis polyvalente. C'est un caméléon. Caméléon de la mode. Polyvalente.
Donc là, on est encore sur un ensemble bustier et pantalon lâche. Moi, il adore les ensembles. Oui, j'adore vraiment, c'est un truc qu'en plus, je trouve, on peut combiner. T'es pas obligé de mettre le pantalon avec ce haut, ce haut avec ce pantalon, vous voyez, donc j'aime trop. Et j'aime trop les bustiers aussi. Et sans, dans cet ensemble, il est trop beau. Qu'on sent hyper à bien. Savoir qu'elle a déjà un beige. Je sais pas si on l'aura présenté sur YouTube ou sur TikTok. Non, je crois que c'était sur TikTok. Ou sur YouTube, je sais plus. Je sais plus, mais je l'avais déjà, donc je savais à peu près. Elle savait comment il taillait, elle savait la texture, elle savait tout ça. Voilà, mais je suis trop bien dedans dans ces ensembles et je me dis que pour cet été, ça peut être vraiment, vraiment très, très beau. Très pratique. Très pratique et très, très beau parce que t'es trop bien dedans et t'es hyper bien. Genre là, il était hyper haute. La matière, elle est incroyable et en plus, à savoir qu'en fait, si vous le prenez en beige, il fait très bohème. Ouais. Et en noir, je trouve qu'il fait chic. Ouais. Comme quoi, il suffit d'une couleur pour changer le style du vêtement. Hein. Ouais. Allez, la prochain suite. Style. Donc là, on est encore sur un petit haut. Voilà, un petit haut blanc. Qui c'est paraît un... basique comme ça, mais qui n'est pas voilà. Basique. Et là, vous allez savoir pourquoi je l'ai choisi. Tadam, j'aime trop. Le dos. C'est trop bien. Voilà, le dos, il le fait tout le détail. Ça, là, j'adore ce truc. Vraiment, j'adore avoir. Donc, il est un peu sur une matière côte-côte. Voilà. Un coton peu, côtelé. Voyez, coton côtelé, très très bonne matière, super agréable. Voilà, ni trop fin, ni trop épais. Lui par contre il est pas bien bien blanc, il est un peu blanc crème. Ouais, lui il est un peu blanc crème. Donc voilà, j'adore vraiment, rien à dire, il est incroyable. Beautiful. Il est beautiful, very 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 beautiful. Donc là on a un petit body blanc balconé. Balconé. Parce que Monia a tendance à dire baldaquin. Ouais, je suis c'est pas baldaquin, c'est balconé. C'est les lits et baldaquin, mais bon, c'est un peu le même principe en fait. Toujours avec son jean mom taille haute. Avec le petit jean mom. Et voilà, ça fait un peu habillé et un peu basique en fait. Voilà. Là en fait, elle a accordé une pièce habillée avec une pièce basique, le jean indémodable. Indémodable voilà. Le jean. Voilà, donc là ça me fait un white and blue jean. Voilà, nous sommes sur le dernier look de Monia. Yes. Donc voilà, ça y est mes chéris, cette vidéo total inspi look by Monia Lilia se termine. On espère qu'elle vous a plu. Je vous affiche le code promo juste ici. N'hésitez pas à l'utiliser pour une de vos commandes. Si vous passez une commande sur le site de Shein, je sais que vous en passez régulièrement, vous me le dites tout le temps en commentaire. Donc voilà, comment avoir des habits tendance, pas cher, bonne qualité et en plus de ça encore moins cher parce que déjà que les prix sont super raisonnables avec le code promo incroyable. Donc dites-nous en commentaire les looks que vous avez préférés. Voilà, et si t'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu l'as pas fait en début de vidéo, tu actives la cloche, tu mets des likes, tu t'abonnes à nos autres, tu t'actives de t'abonner à nos autres réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.